En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Une salle où il y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Je viens d'ouvrir le Spartiate Gym. Si vous entendez de la bonne musique derrière, c'est mon fils qui est en train de jouer avec ses petites voitures. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, moi, mon but de partager, même si des fois c'est galère, des fois je suis en train de manger, je vous partage une vidéo, je vous fais une vidéo. Là, je viens d'ouvrir, je m'occupe de mon fils en même temps, j'ai des montages en attente. Il y a mes adhérents qui vont arriver, mes coachings vont commencer, donc... Mais, quand le sujet, il arrive, franchement, je vous dis, il faut que je prenne directement ma caméra et je parle. Moi, je vous partage comme ça, je suis un partageur, c'est-à-dire que comment je ressens les choses, après, vous, c'est à vous de vous exprimer pour me dire comment vous voyez le sujet et comment vous allez réagir si vous étiez à ma place. Alors aujourd'hui, on va parler du business du dopage, des produits dopants, tout ce qui est stéroïdes anabolisants, la test, tout. Vous voyez ce que je veux dire, ce qui circule maintenant dans les salles de sport et tout. Tout le monde maintenant est affecté. Quand on a envie, c'est la course pour le muscle. Mais à quel prix? Vous savez que maintenant, ça touche plus les jeunes, je les appelle moi les âmes sensibles, parce qu'eux, ils sont fans des physiques de rêve, sauf que les physiques de rêve n'existent qu'avec les vendeurs de rêve. Elle est pas mal cette punchline. Alors, j'ai reçu un truc hier, c'est ça la chose qui a fait le déclic pour vous faire cette vidéo-là. Sur ma boîte mail est ouverte à Outlook, je reçois un mail, et dans le mail, il me dit « Hi, are you bodybuilder ?» Est-ce que tu es un bodybuilder? Do you want to build your dream body? Regarde-moi cette phrase là. Do you want to build your dream body? Ça veut dire ton corps de rêve. Ça veut dire d'entrer les caches. Et bon, ça se voit que c'est un américain. Après, ça peut être un anglais, mais bon, comme il parle anglais, je vous dirai pourquoi c'est un américain après. I can help you. Ah, je peux t'aider. You will be able to achieve great results. Après, franchement, je vous le dis, si mon fils il vous casse la tête, c'est normal. Hein. Lui, il a beaucoup de choses à raconter, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il raconte. Peut-être qu'il a envie de passer sur YouTube. Alors, il te dit, est-ce que tu peux accomplir beaucoup de résultats? I am offering you pharmacological. Je t'offre, entre guillemets, des produits pharmaceutiques qui vont t'aider à construire ton corps de rêve. I am waiting for your answer. En plus, il attend. Mais il est mal tombé, bordel, parce que moi, je suis contre ces produits et j'inciterai personne à prendre ces produits. Et putain, mais j'étais dedans en Allemagne, et les fioles, ils étaient devant moi et je les ai pas utilisées et la tentation, elle était énorme et je me suis sorti. Et le mec, il me ramène ça. Le problème, c'est quoi? Il est parti chercher mon adresse mail parce qu'elle est visible sur ma chaîne YouTube. Il a vu que je faisais des vidéos de muscu. Et directement, il m'a envoyé ce message-là. Donc, ça peut être un de vous derrière la caméra. Vous êtes intéressé à un forum de muscu, vous laissez vos coordonnées sur Internet, votre adresse mail, etc. Il va la choper, cette personne-là, pour vendre ses produits. Ah oui, maintenant, c'est un business énorme. Énorme. Parce qu'ils savent que les gens kiffent avoir des résultats rapides. Et eux, comme ils ont la démarche commerciale pour qu'ils puissent vous vendre ces produits-là. Tu veux le corps de rêve, tu vas avoir le corps de rêve, tu vas avoir plus de muscles rapidement, etc. Il a les arguments qui peuvent te toucher pour que toi, tu cèdes à la tentation. Et le problème, c'est quoi, les amis? Il m'envoie un fichier avec tous les... Ici, vous les voyez, tous les prix. Tous les prix. Manufacturer Dragon Pharma. L'usine, là, là... pharmaceutique, elle s'appelle Dragon Pharma. Eh, pétac. Il n'y a pas de lézard pharma, de Hulk pharma.
Je sais pas, bon, dragon pharma, tu vas devenir un dragon, attention. Et t'envoies des décas, 10 millilitres. Et là, on voit dollars américains. 60. Je vous laisse faire les. Franchement, pour que les gens ils comprennent que c'est un budget de fou et que c'est une ruine. Si tu rentres dedans, tu t'en sors plus, t'en veux plus. Doper un jour, doper toujours. Vous allez perdre votre vie à payer des produits juste pour avoir un physique. Ok ? C'est pour ça que les gens ils disent oui, comment on dit ça, la musculation coûte cher, machin, etc. C'est les produits qui coûtent cher. Hein. Et ne confondez pas produits anabolisants avec compléments alimentaires. Hein, parce que les compléments alimentaires, je peux vous dire, hein, moi j'ai arrêté, ça fait longtemps là. Ça fait minimum. Ben là, dans 2 mois, je vais faire 1 an. Terminé, je prends plus rien, je bouffe tout simplement. Ah, je le dis. Et ça n'a rien changé dans ma vie. Je suis bien et je maintiens une bonne masse musculaire. Là, le mec, il me met des décas de Winstrol, Anavar, Winstrol, Dianabol. Alors, Dianabol, je peux vous dire que là, ça, c'est à l'époque de Arnold Schwarzenegger. Ça prenait ça comme des M&M's. Même aujourd'hui, il y en a qui prennent ça comme des M&M's. Sauf que pour le foie, là, je peux te dire que ton foie, il pète. Hein. Ton foie, tu l'oublies. Mais bon, je sais pas si tu as les moyens d'acheter un nouveau foie. Textoxyl, cipionate, enantate, ça c'est des types de testostérone, nolvaxil, clombuterol, clomide, ça c'est des trucs de protection, provixerol, sustanone, ça c'est de la testostérone, l'onte, parce qu'il y en a qui sont un peu plus rapides, un peu plus lents. Je vous dis une chose, hein, j'étais avec des Anglais, j'étais avec des Allemands, ils m'ont tout expliqué. Je connais comment ça fonctionne. Mais je ne cherche pas à rentrer dans ces détails-là. Le but aujourd'hui, c'est de faire de la prévention, de vous faire attention parce qu'il y a ce type de personnes qui vont venir vous parler, vous, derrière la caméra, vous changer d'avis et vous allez passer du côté obscur, bordel de merde. Sauf qu'il est mal tombé, lui. Après, vous faites tout ce que vous voulez de votre cul, ok ? Mais n'incitez pas les autres à prendre des produits dopants. Ça peut causer leur perte. Plus, même les gamins qui sont même pas en cours de travail, ils demandent à leurs parents, est-ce que je peux aller acheter des compléments alimentaires? Et le mec, la veille, il est en train de se renseigner sur les produits dopants sur des forums steroid.com. Donc sa mère, pour elle, il va prendre un peu de compléments alimentaires, un peu de whey. Mais cette personne-là, derrière, c'est comme une couverture pour qu'il puisse prendre ses picouzes. Ouais, je vous dis, ça c'est des scénarios. Hein. Et maintenant, il y a même des boutiques de compléments alimentaires, bordel de merde, qui, dans le monde, hein, en Europe, tout ce que vous voulez, surtout en Europe, parce que c'est pas légal les produits dopants, qui font couverture avec une boutique de compléments alimentaires où ils font des pots de whey, et la personne, quand elle rentre à l'intérieur, quand elle veut passer à l'étape supérieure et elle dit je veux un résultat rapide, machin, t'aurais pas une petite gélule, machin et tout, et lui fait passer ça en étant un brûleur de graisse, mais ça c'est, je vous dis de suite, ça commence à être du Winstrol, des clombuterol et des substances de fou, ok, même les gens qui sont en face, ils savent même pas c'est quoi. Pour eux, ils s'en foutent de tous les dangers. Et tous les putains d'effets négatifs. Pour eux, il n'y a qu'une seule chose. Ils pensent comment il va changer dans les 2 semaines à venir, ou dans la semaine à venir, ou dans le mois à venir. C'est tout ce qui change. Ils s'en foutent. Oui, ici, après, vous avez même... Après, ils changent de pharma, d'usine, Dragon Pharma, etc. Éteins doucement, c'est la caméra, je suis en train de parler à la caméra. Je vous ai dit, hein, lui, il veut passer. Non, touche pas, on touche pas. Descends, on touche pas. Alors, Pharma Test, Anavar, il m'a envoyé une liste, je vous dis même pas. La liste, elle fait... Alors, je vous dis, si je dis pas de conneries, là, il y a 4 pages de produits. 4 pages de produits. Et je peux vous dire que les produits, même aux États-Unis, bon, aux États-Unis, peut-être c'est légal. Okay. Mais lui, il s'attaque au marché européen parce que là, il y a. Là-bas, les produits, ils peuvent les avoir comme ils veulent. Hein, okay. Sauf qu'ici, les gens, comme ils sont affamés à la recherche de résultats rapides, c'est comme la personne qui te dit je veux avoir des abdos en mangeant de la merde et en restant derrière mon canapé. Ouais, mais ça va pas le faire. Il faut que tu bouges ton cul pour faire des résultats. Bordel, il faut que tu souffres. Je dis pas que les gens qui prennent des produits, ils souffrent pas. Mais ça n'a rien à voir entre nous, les naturels, qu'on est en train de chier notre mère avec des litres et des litres de transpiration, et qu'il faut que t'as ton. Mais eux, on dirait que avec le produit, ça leur fait pousser des ailes. Et il y en a beaucoup qui, leurs neurones, ils ont pété avec les produits. Ils deviennent une autre personne, carrément. Mais après, il y en a qui sont tellement habitués
qui savent contrôler, gérer beaucoup de choses. Et ça, ça devient du professionnalisme d'un bodybuilder. Après, on ne peut pas parler de bodybuilding sans stéroïdes anabolisants. Mettez-vous ça dans le crâne. Ça, c'est une vérité. Le bodybuilding naturel, je l'ai dit plusieurs fois, il n'existe plus. Terminé. T'as envie de réussir dans le body? Ah ben, tu te piques. Point à la ligne, ça s'arrête là. Moi, aujourd'hui, je vous le dis, prévention contre le dopage, contre ce type de fléau qui va peut-être vous envoyer, vous, derrière la caméra, ce type de fichier pour vous dire, je vais vous vendre le corps de rêve. Eh oui, le corps de rêve, là. Ok, le corps de rêve. Le corps de rêve, les amis, avec les athlètes, là. Ok, qui vous vendent ça, soi-disant natural bodybuilder, machin, etc. Pour qu'ils vous disent que c'est accessible, c'est possible, sans produit dopant. Mais à quel prix, à quel prix? Ils sont beaux de l'extérieur, ils sont foutus de l'intérieur. Faites attention, ça là, ça, mais putain, mais tu te dis, si une âme sensible, il ne sait même pas à quoi consiste. Et là, il va aller faire des recherches, il va faire des... photo d'évolution, parce que sur internet, maintenant, tout le monde veut vendre, le mot vendre, il revient, et il va se laisser avoir. Et par contre, après, au niveau, franchement, les produits, entre 60$, 80$, 30$, le clombutérol, c'est le plus toxique, elle est 44$, quoi d'autre, tout ce qui est testostérone, entre 60$, et moi, c'est l'équivalent d'à peu près 40-50€ la fiole. Mais je peux vous dire que vous rentrez dans ce milieu-là, faites attention, s'il vous plaît, faites attention. Faites attention, le sport, c'est la santé, hein. Le sport, c'est pas le dopage. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. Et combien de personnes, le problème, c'est combien de personnes est touchées par ce type de business et qui se laissent avoir. Mais le problème, est-ce qu'ils vont arrêter un jour ou l'autre? C'est ça la question qui se pose. Mais jusqu'à ce que ça pète encore pour que tu arrêtes. Voilà, c'est pour ça, moi, je vous dis, restez naturel à 300%, les amis. Restez naturel, méritez vos résultats. Et ne pensez pas à des résultats rapides. Franchement, je vous le dis, c'est faites attention, parce que ce type, ça peut être des arnaques. Tu sais même pas ce qu'ils te vend. Tu sais même pas ça vient d'où. Tu sais même pas si c'est une personne ou c'est un robot derrière. Faites attention, les amis, sur Internet. Le virtuel, il peut tuer beaucoup de personnes. Il peut saccager la vie d'une personne. Moi, je préfère mille fois affronter la réalité en face. Ça, j'ai une bouteille d'eau, je peux boire. Je ne vais pas dire, il y a une bouteille d'eau dans l'écran, je peux la voir. Non! Elle est devant moi, je la vois, je la prends. Ok? Elle n'est pas devant moi, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Voilà. Faites attention, parce que beaucoup de gens vont vendre du rêve avec leur corps et vous êtes plus fasciné par le corps que par autre chose. Maintenant, vous ne savez même pas ce qui est naturel, du qui est dopé. Un physique de naturel, ça se voit. Ça se sent, ça, entre guillemets, ça prend son temps. Et la maturité musculaire, vous la voyez, ok? Mais on est des galériens, je vous le dis, on est des galériens. Mais maintenant, je vous le dis, hein, même les gens qui font pas de bodybuilding, ils touchent à ces produits. C'est juste pour être beau, pour faire des photos. Tout le monde veut plaire, c'est la chasse des likes, c'est la chasse de la notoriété. Mais à quel prix? C'est ça le problème. Il dit, moi je préfère vivre un an en étant avec 5000 likes sur mes photos que de vivre 50 ans en n'ayant rien du tout. Chacun comme il voit les choses, mais moi j'ai un gosse, je pense à mon fils, je pense que partager la musculation pour moi sur du long terme, avoir encore en bonne santé, j'espère qu'à 50 ans j'aurai une shape correcte, c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. Sur cette terre. Voilà les amis, moi je voulais vous partager ça. Faites attention à votre boîte mail. Si vous voyez des trucs comme ça, ne vous tombez pas. Je vous donne même sur la boîte mail. Il s'appelle Dan, D-A-N, buridan74@gmail.com. buridan74@gmail.com. Dan, passe au Spartiate Gym, la teste de bûche, mon frère. Tu vas voir tes produits, tu vas les rentrer dans ton cul, là. Connard. Après, toi, tu vends. Vends, reste aux États-Unis, mon frère. Qu'est-ce que tu viens foutre en France à nous vendre ça, mon pote? Ah, mais sérieusement, là. Oh là là, mais c'est... Et pour terminer, je vais vous raconter une petite histoire, une autre histoire. Parce qu'en même temps, moi, je vous fais passer un peu, entre guillemets, des petites vidéos, tu vois, qui vous donnent envie. Franchement, c'est juste pour vous expliquer que quand vous voyez des gens s'entraîner comme ça avec des physiques plus qu'extraordinaires, c'est clair que ça donne l'envie de passer de l'autre côté. Ok? Il y avait une personne que j'ai coachée pendant un moment. Elle était grassouillette.
Elle me dit, Cal, je vais te montrer un brûleur de graisse. On m'a dit que il était magique. C'est un coach qui m'a donné ça. Il m'a dit, tu prends ça, tu vas sécher rapidement. Qui lui a vendu ça, comme un brûleur de graisse. Comme elle ne savait pas, elle est tombée dans le piège. C'était du clan butterol. Elle ne savait même pas il y a quoi comme effet négatif. Il lui a dit, prends ça, tu prends deux fois par jour. Donc, maintenant les gens, la personne, quand elle m'a donné ça, je lui ai dit, mais t'as envie de crever. Elle sait même. Donc, le problème, c'est que comme elle ne savait même pas le dosage. Ethan, tu peux dire quelque chose à la caméra? Tu vas dire quoi? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour à la caméra? Ah bah voilà, cache-toi alors. Oui, donc la personne ne connaît pas le dosage, elle ne sait pas les effets négatifs, sauf que les gens, ils font tellement confiance aux autres. Voilà, c'est comme ça. Et au mot, surtout, je veux des résultats rapides. Je veux exterminer ma graisse. Mais prends décision et coupe-la ta graisse. Bordel, ça ira plus vite. Non mais c'est ça. Mais faites attention, les amis. Mais faites attention. Il y a tellement d'arnaques qui existent. Il y a tellement de gens qui peuvent, voilà, entre guillemets, transformer votre rêve en cauchemar. Voilà. Donc maintenant, je vous le dis clair, net et précis. Réfléchissez 1000 fois pourquoi vous voulez sauter le pas. Et est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce qu'il y en a qui se dopent sans savoir même pas pourquoi ils se dopent. Je vous le dis. Et je n'inciterai jamais personne à se doper. Restez naturel à 300%. Il n'y a que la souffrance qui vous.